Bonjour à tous, et comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle émission de cuisine chaque semaine. On en a deux par semaine, hein, une petite et une grande. Alors à chaque fois, on dit qu'on va faire une petite, après quelquefois, on fait grande parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ce soir, c'est une petite émission de cuisine, et tranquille, parce qu'on a quelqu'un qui vient nous faire des acras. Mais je ne connais pas si c'est des acras de morue ou des acras de pommes de terre ou des acras de fouille à pain. Enfin, je ne sais pas du tout. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, dans ma voiture, là, actuellement, il y a des choses pour que ce soir, nous peut faire un petit riz chauffé avec saucisse pétée à l'intérieur, oui. Alors, on va prendre saucisse pétée de poulet parce que là, quelques personnes peut-être qui mangent pas de porc, hein, donc, mais normal que le porc est meilleur, hein. Et après, Charline sera là ce soir, va faire à nous un petit bread de citrouille et puis un bon rougail tomate, et après un petit poulet frit à côté, un petit coq la cour frit à côté, comme ça, tranquille ce soir dans cette petite émission là, puisque nous reçoit aussi quelques artistes, hein, Jimmy Natti qui vient présenter à nous son programme. En tout cas, une très belle soirée encore en perspective ce soir, et puis après nous retrouve dans un petit instant. Mais bon, allez, à tout de suite. Ça va. On a un peu frais à soir là. Donc, on a fait la roulie vendredi. Un peu la roulie. Ça a bien se passé, tes enclos. Merci. On donne un petit coup de main ce soir, comme d'habitude. Ouais. Oui. Vous voulez un petit peu à l'écart, un petit peu à côté, mais vous voulez tout le temps là. Ouais. Non, mais vous connaissez bien, fait vaisselle. Donc. Oui. Ah oui, mais pas ici, fait vaisselle. Non. Nous, on y fait bien, fait vaisselle lendemain ici. Hein. Casse pas la tête. Mais profite de l'occasion. Mais c'était joyeux anniversaire à Nicole, aujourd'hui c'est son anniversaire. Hein? Ne demande pas où c'est, Nicole ne me connaît pas. Nicole, le vendredi, elle était là. Ah, je suis dans le groupe Couleur Réunion. Ouais, c'est elle qui avait préparé les tosses. Ouais. Maman était finalée. Ouais. Donc, après tout, ben, là, un petit coucou, tout le groupe Couleur Réunion. Voilà, d'accord. Nicole a oublié son téléphone, lui. Oui. Allez, la tête n'est pas en place, hein, non, Nicole. Hein? Non, sa tête est bonne. Peut-être le corps est bon. M'envoyez-lui voir un camarade à moi. Hein, un camarade à moi, il habite dans le haut Cœur Seignon, là-haut. Là, hein? Seignon, c'est au port, non? Au port, ben. Oui. Il a fait un morceau d'un moment, il s'appelle Nicole. D'accord. Oui. Lucien! Caripatol là? Ouais, Nicole comme Caripatol. Ah oula! Hein? Et là, Nicole va voir ça, va dire comme ça. Qu'est-ce que ça donne ici, là? Non, dans la chanson, il dit comme ça. Nicole. Goûte son Caripatol, il va faire comme ça. En fait, c'est une salsa. Oui. On peut danser la salsa oui, les yeux. Oui, oui. Hein, voilà, exactement. Hein. Alors, bon, allez, un petit coup de banane alors. Parce que la Charline a commencé là. Acra de thon. Acra de thon. Et puis après, nous avons réchauffé avec saucisse pétée dedans. Et puis après, nous avons un petit bread de chouchou. Et un rougail tomate. Ah, et après, Patrick, ça fait nous un petit coq que nous avons là. Mais un petit coq, un coq en friture. Friture, bien comme un petit rôti, non? Comme un petit rôti. Il va voir comment il fait. Hein? Ben, ça, c'est son affaire, ça. Mais bon, ça va coucher. Merci bien, Jean-Claude. Ah, merci à vous aussi. Hein? Mais bon, là, ok. Alors, ça va, Charline, moi. Ben, Charline, n'est pas tout seul? Vous avez un camarade? Ouais. Hein? Et ben, Simone! Que ça l'arrivée? Je ne sais pas faire. Hein? Je sais pas faire ça parce que tu fais pas des brèdes, toi, Simone. Si, je fais toi, si c'est pas des brèdes, ma femme, tu fais pas.
je fais les bread, mais ça, je n'ai pas habitude. Parce que c'est moi qui connais rien que bread, ma fan. Rien que pour mettre dans Romazard. Si, je connais toutes les bread, mais celui-là, j'ai du mal. Ça, c'est bread chouchou. J'ai du mal à faire ça. Ben, regarde Charline comment il fait, parce que Charline a la technique, lui. Il y a ma mère qui sait faire ça. Ah bon? Mais elle m'a montré, mais comme j'étais petite, je n'écoute pas. Et là, maintenant, je suis dans la merde. D'accord. Et à Madagascar, il y a des brettes de chouchou comme ça? Oui. Ah bon? D'accord. Et vous faites aussi des brettes avec ça aussi, alors? Bah oui. Ah, d'accord, ouais. D'accord. Ça y est, je l'ai récupéré avec Sivadji, le Vaupois. Le quoi? Le Vaupois. C'est quoi ça? Anguive. Ah, Anguive, ouais. D'accord, alors, d'accord. Les Anguives du jardin, parce que tu vas mettre ça dans ton Romazave prochainement. Ouais. Mais la prochaine fois, tu viens faire vraiment un Romazave, hein? La prochaine fois. D'accord, prochaine fois. Mais bon, on te laisse aller à Mada, hein, parce que tu vas un mois en vacances là bientôt. Oui. Hein, et après, quand tu reviens. D'accord? Okay. Mais bon, Patrick! Mais où c'est le monsieur de Marie? Allez, attends, allez, Patrick! Hé, Patrick, à soi, où ça fait à nous quoi là? Un coq frit, un poulet frit? Coq frit! Parce que quand il mange bread, un peu sec ce soir là, hein? Oui, petit riz chauffé, bread. C'est tranquille, là, hein? Oui, tranquille. Ben, une route pas compliquée, nous, ici. Non, pas compliquée, j'en dis, là. Pas compliquée, j'en dis. Les bon, alors, hein? Donc, un petit poulet, un petit coq frit, hein? Un petit coq frit. Bon. Mais coq, là, n'est pas trop dur. Non, c'est... Ça coque la cour, ici, pas dur, ça. Hein? Les bon, là? Les bon. Ben, Mila, ça, vous allez au préparer l'imia ou à où t'allais, hein? Oui. Les bon? OK. Et là, où la donne, Ali, un couteau pour boire le thon. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a pas de boîte ici. Ben non, j'ai cherché pas pour boîte. Attention, coupe une main, parce que à moi, à chaque fois, quand il ouvre une boîte comme ça, là, hein, il coupe toujours un petit morceau de main. Là, hein, et là, on a trois. Donc, on a trois petits morceaux de main pour couper. Moi, tu as visé la machine, il coupe un bout, là. Donc. La machine à boire, parce que tu es un menuisier avant. Voilà. Voilà. Tu es un menuisier, lui, avant. Voilà. Ben, à moi, regarde mon petit doigt, les tortes. Mais un petit doigt, les tortes. Oui, non, mais il prouve que nous, les travailleurs. Voilà, des travailleurs. Voilà. Ben, ouais. Donc, les bons, vous voyez avec moi. Donc, nous dit toutes les jeunes personnes, hein, il ne faut jamais faire ça. Hein. Allez acheter un ouvre-boîte. Et ouvre votre boîte avec un boîte, avec un autre boîte, et non pas avec un couteau comme ça. Hein. Mais dans ton longtemps, nous, tout est rouvé avec un couteau. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que c'est un petit peu dangereux. C'est un petit peu dangereux, là. Il faut faire attention. Hein? Mais bon, Christian maîtrise. Hein? Et après, il faut trouver un couteau rigide. Hein? Fais pas ça comme un camarade à moi dernièrement. Il a rouvé une boîte sardine hein? Avec un couteau. Vous connaissez pas le couteau blanc, là? Un couteau. Comment il appelle ce couteau blanc, là? Hein? Casse. Oui, casse. Le couteau, comment il appelle le couteau blanc? Il me rappelle plus moi le couteau blanc. La lame, les blancs, la lame céramique. Oui, un oui, couteau oui. Céramique, voilà. Ah, ouais. Faut jamais ouvrir une boîte de conserve avec un couteau céramique. Oh là là. Ah, merci, voilà, hein. Petit conseil du jour. Voilà. Bon, Mila, ça où là? On enlève toute l'huile à l'intérieur. On enlève toute l'eau à l'intérieur, oui, tout à fait. On garde que le thon. Hein. Voilà. Thon naturel, hein. C'est tout, pas des thons naturel. Assaisonnés, quoi que ce soit. Hein. Voilà. Voilà. Les naturel. Allez, bon alors. Hein. Bon ben, on fait les autres et après on attaque. C'est bon. Tu réfléchis trop là, c'est pas bon ça. C'est pas une chanson ça. C'est quoi? Bon attends, Richard va te faire de la musique, hein, Richard. Hein? Tu t'accompagnes. Richard t'accompagne. J'ai compris. À travers brouillard, parfois le voir et joli sonner en l'air là-bas, dig dig le ciel. Maintenant le soleil, trois parfois fait de nous les ailes. En tant que sorti, grandma matin, je sais même. Canacelle. Oui. Ah, je connais. Bon, allez, on va faire la cuisine. Ok. Ça, c'est quoi ça? C'est du lait. C'est du lait? C'est du lait, il faut laisser monter. Il faut laisser monter le lait? Voilà. Allez, hein? Maintenant tu peux éteindre le feu. Hop. Ah, avant, il monte. Ah. Vous êtes un petit peu en retard parce que. Non, parce que le lait monte vitement. Et la Padjao, comme ça que. Il faut. Padjao, comme ça, il faut veiller de lait, tant soit il bouille là. Hein? Voilà. Une expression ça non hein? Mi veille au comme de laisser le feu. Mi veille au comme de laisser le feu. Hein? C'est ça l'expression. Hein? Voilà, il appelle le levure, c'est pour ça que ça a monté vite fait aussi. Hein? On fait travailler le levure.
la levure à l'intérieur, du lait et de la levure, hein. Voilà, hein. Voilà, et là-dedans, il y a des œufs. Voilà, allez, hop. Que des œufs, hein. Pas que ça cuise. Et, voilà. Et tu vas pas nous faire un soufflé là, non? Voilà, non, non, non. Pas un soufflé, non? Là, il faut pas que ça cuise, donc il faut tourner vite fait, et voilà. Ah, d'accord. Voilà, et on peut mettre le thon, les épices, et la farine. Et la farine aussi, là? Et voilà. Ouais. Ah bon, d'accord, elle est astucieuse, les affaires, hein. Ouais. Et bonne gentille, là, elle est fort, hein. Ah, on fait travailler la levure. Voilà, on fait lever la levure. Pour que la levure puisse bien travailler, il faut que ça chauffe ça, et ça monte en température vite fait. Hein. Voilà, et ça reste en boule, c'est pas aplati. Ouais, ouais. Voilà, les beignets de banane, je fais pareil. Ah, pareil. Oui. Ah, d'accord. Voilà. C'est bon. Donc là-dedans, tu vas rajouter tous tes trucs. Je reviens dans un instant quand tout est prêt, alors, d'accord? D'accord. C'est bon? Oui. Avance sous tes bread? Oui. Hein, il avance, ça va, ça va, hein. On aura assez pour tout le monde, ça? C'est quand même petit cuillère. Ça va, Brad, là, il mange pas bon. Fais ça, un petit peu. Il est bon. Et tout le temps, qu'est-ce qu'on fait où, là? Fais le manœuvre. Fais le manœuvre, Zordi? Mais qu'est-ce qui arrive dans Zordi, vous faites le manœuvre? Espiaque. Il n'est pas espiaque parce qu'il court, il travaille. Oui, voilà, voilà, voilà. Espiaque, mais ça met dans les poches. Ben, voilà. Même Simone, aujourd'hui, il trie Brad. Hein, Simone? Oui. Il veut mettre ça. Il veut mettre quoi? Le tronc là? On a dit Simone qu'il ne faut pas mettre ça dedans. Bah, Simone, les charrières, un petit peu, il y a. Hein. Bah, ils me suivent. Hein, Simone, moukaté en malgache, comment on dit? Quand on moukate quelqu'un, hein? Ou, comment on dit? Moukate. Non, ça n'existe pas. Le mot, quand tu dis azala, ça veut dire quoi? Mon Dieu, Seigneur! Non, mais parce que toi, t'es de Tuléa. Ouais. Hein, et chaque endroit a une façon différente de parler. D'accord, hein? Mais nous, là-bas, on ne parle pas comme ça, les gens. Et hein. Voilà, c'est ça. Ah bon, tu ne parles pas comme ça? Ouais. Hein, quand, tu insultes personne là-bas? Donc, il n'y a pas de gros mots là-bas, à Tuléa? Si, il y a des gros mots, mais par contre, nous, on respecte tous les gens, Oui, mais tu sais comment on dit un gros mot. Oui, je sais, mais... Mais tu ne veux pas le dire. Non, dis pas des gros mots aussi, à Kadarustal, dis pas des gros mots. Bon, Simone, là, des fois, là, hein, elle n'aime pas causer du tout en malgache, il faut faire cause en français. Alors, depuis que tu es à la Réunion, maintenant, tu sais... Jurer en français. Ça, oui. Tu aimes bien m'embêter, Jacques. Oui, j'aime bien. Oui. Qu'est-ce que je dis en français? De quoi? Qu'est-ce que je dis à quoi? Quand je dis bêtises en français, c'est quoi? C'est quelle bêtise? Je sais pas. Bon, mais là, c'est tranquille, moi. Bon, Simon, je te laisse tranquille. T'inquiète merci, pas. Hein. Voilà. Bien, bon, je te laisse avec tes bread, d'accord? Les braids, voilà. Bon. Oui. Avec le lait. Oui. Avec les vieux dans le lait. Ouais. Là, on a rajouté le thon dedans. Avec ça. Du curry. En poudre. Hein. Voilà, normalement. Bon, voilà. On fait la pub pour du gros, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on peut même préparer son curry tout seul, hein, tranquillement chez soi à la maison. Hein. Voilà. Ouais. Hein. Mais il y a aussi, par exemple, la pointe curry, il prend un Colombo. Après le Colombo. Mais Colombo, ça se vend aussi dans les grandes surfaces ici. Hein. On trouve, c'est devenu une poudre un peu antillaise. Hein. Voilà. Colombo, pas de fil enquête. Oui. Moi, ce qui m'aime avec Colombo, c'est quoi? Il parle toujours de son madame sans qu'on voit son madame. Il jamais voit. Hein? Il fait forcément un peu à Toto aussi, non? T'as mis un petit rigole, soit. Même Toto, obligé rigole un peu. Hein? Ah, un coucou à princesse. C'est la meilleure des choses. Hein? Bien sûr, bien sûr. Piment et de l'ail. Voilà. Et tout ce qui est vert là, c'est du piment? Piment, ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui, et donc, on rajoute ça dedans, comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. D'accord. Et la farine, il vient en dernier? En dernier. La farine en dernier. D'accord. Farine en dernier, hein. Voilà. Tout à fait. Voilà, du piment, après du persil et des oignons verts, et après la farine. D'accord. Toto prépare tes oignons verts et ton persil. Génial. Hein? Du persil, des oignons. Persil, oignons. Donc c'est bien vert alors, hein. Ah, oui.
Voilà. Et le plus compliqué, c'est de faire bouillir le lait, hein, parce que c'est ça le plus dangereux. T'as vu Christian comment il a fait ça, hein? C'est le plus dangereux, hein. Après le reste, c'est comment on dirait chez nous, hein, maman et l'école, qu'elle fait. Voilà. Très facile. Moi, mon habitude, c'est de boire. Oui. Donc, moi, pas trop la forêt là-bas. Là. Le coin est trop bonne. Ouais. À cause d'histoire de vous, nous. Ouais. Non, mais c'est vrai que le feu était quand même assez fort, hein. C'est un feu qui est fort, non, hein. Donc, il faut le faire un feu plus doux, hein. Au lieu d'éteindre, moi, la tourne. Ah, d'accord. Là, on rajoute tout de suite de la farine dedans. De la farine. Ah, mais il y a pas mal de farine. Il faut vraiment que ce soit consistant comme ça. Ah, alors, oui. Surtout, parce que quand ça va passer à l'huile après, tu passes à l'huile après. Ah oui, tout à fait. Ouais. Après, c'est l'huile de friture. Ouais. Donc, il faut que ça soit compact, compact. Voilà. Hein? Et toi, il a vu comment il fait ça avec une fourchette, hein? Hein? Quand on a un poupé créole, ici, il fait ça avec la main. Le malbar, il fait ça avec la main. Non, ce qui m'a apprécié, elle est à droite dans son préparation. Ouais, mais seulement les tournes au sens inverse des aiguilles du monde. Mal à vue, regarde ça. Hein, la vie, elle est dans l'hémisphère sud, là, c'est pour ça. Hein? Pareil, comme si tu prends aussi coup de café, un peu ton à droite, un peu ton à gauche. Oui, non, mais ça dépend dans quel hémisphère on est. Mais à l'arrivée, là, je suis crémeux. Ben oui. Mais explique à Wena fait. Où est-ce qu'on met de l'eau dans un évier, hein, dans un lavabo? L'eau qui descend là, hein, soit elle fait dans le sens d'une aiguille du monde, soit à l'inverse. Quand on est dans le nord de l'hémisphère, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de l'équateur, hein, ça va dans le sens des aiguilles du monde. Quand on est en dessous de l'équateur, ça va à l'inverse des aiguilles du monde. Merci mon professeur. Voilà. Non, mais c'est juste parce que comme il regarde un monde tant tourné comme ça, hein, il connaît tout de suite dans son cerveau, parce qu'on connaît dans l'hémisphère sud, l'hémisphère nord dans le cerveau, on connaît la deux. Hein, oui, donc oui, du coup, oui, nous voit lequel est plus développé là. Tout de suite, nous voit lequel est plus développé. Hein, c'est ça. Non mais nous plaisante, hein, mais c'est pas ça du tout, hein, parce que nous n'avons pas fait des études là-dedans, hein. T'as fait ailleurs mais pas là-dedans. Et chez nous c'est toujours comme ça, ils cassent les cuits comme ça. Et bien là, elle est vraiment consistante, compacte. Mais fais un gros plan dessus, voilà. Là, on voit bien comment ça descend. Là, ça va pas coller là, à la cuisson là, non? Non. Ça pas que l'huile soit bien chaude, par contre. Voilà, exactement. Alors, hein. Voilà. Mais à l'heure où l'huile coûte très cher actuellement, il faut beaucoup d'huile, là. Hein. C'est pas le moment de faire ces agras, là. On va faire des économies. Voilà. Hein. Magui, il y a une caisse dernièrement. Oui, Malagué, un caisse, parce que maintenant, un camarade, il appelle Toto là-bas, hein, la rentre dans un magasin, la partie rondée, un caisse de l'huile, et la ramène un caisse. Oui! Ouais, il a dit comme ça, c'est pour Canal Austral. Toto, comment on l'a fait? Dis-moi, comment on l'a fait pour gagner une caisse de l'huile? Ah oui, tu causes pas ça. Mais cause pas ça. Mais dis pas. Comment on l'a fait? Hein? Des bonnes connaissances. Bonnes connaissances, voilà. Hein. Comme quoi qu'il est bien d'avoir des connaissances de temps en temps. Hein. Voilà. Hein. Au moins comme ça, nous peut faire des acras ce soir et nous n'a point le problème de ce souci de l'huile là ce soir. Hein. Nous aura demain, bien sûr. Hein. Oui. Demain, oui, parce que quand l'huile la pire, c'est notre problème. Hein. Chaque chose suffit sa peine, donc à chaque moment son problème. Et voilà. Hein. Demain, c'est notre problème. Voilà. En tout cas, elle est jolie comme ça là. Hein. Et voilà. Voilà. Bon, prochaine étape, c'est l'huile. L'huile chaude. D'accord, mais bon. Bon, mais ça casse mon caisse de l'huile, moi, alors. Voilà, c'est ça. Elle est cassée. Ça casse mon caisse de l'huile. Elle est cassée. Bon. Donc, moi, ça met l'huile dedans. Après, ça met le petit beignet fait. D'accord. Le petit beignet. Mais il y a Hein, Sarah, qui c'est qui connaît pas John Jiminati. Comment il est bien? Bien, tranquille, ça va. Il manque à nous, mais c'est quand même. D'accord, on l'a vu combien de temps fait. Oui, il est bien. Des beignets. Non, pas des beignets. Non, je dis pas beignets, je dis accra. Accra. On appelle ça beignet, nous. Mais c'est la façon un petit peu bonne gentillée. Gentillée. Ça va l'occasion de nous goûter. Hein. Mais voilà, accra de thon. Accra de thon. Ouais. Hein, mais là ce soir, nous, ça ne parle pas seulement cuisine. Là aussi, la chanson de Sarah qui vient de sortir. Oui. Alors, c'est quoi cette chanson? Eh bien, c'est les morceaux de la musique. C'est la musique. Voilà. Sarah, la musique.
C'est ça. Parce qu'on l'a grandi dedans, parce qu'on l'est né dedans, on t'est bercé dedans. Ça, c'est voilà. Pour ça qu'on a fait ce morceau-là. Voilà, c'est où ça? D'accord, alors là. Le clip vient de sortir. Il vient de sortir, oui. Voilà, c'est voilà. Ça. Mais la chanson, elle existe depuis un bout de temps. Oui, ah oui. Vous avez l'occasion de faire cette chanson-là aussi en live ici chez nous, là? Oui, avec plaisir même. Ouais. D'accord. Ah, oui. Viens voir un petit coup, Banais, ça va mettre de l'huile dedans. Viens, passe de l'autre côté, à côté, Christian, à côté là-bas. Là, hein. Bah, Jimmy, on fait un petit peu la cuisine de temps en temps. Ouais, mais fais-moi. Hein? Bah, on fait tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Ben bah, oui, il faut bien donner manger Marmaille. Ouais. Bonne Marmaille, hein? Ouais. C'est ça. D'accord. Mais bon, et là, Toto, là, prend du papier absorbant, hein, pour que les gars y mettent dedans, hein. Absorbant parce que. Il n'a pas fait de l'huile là-dedans. Jimmy, l'huile coûte cher là-bas? Dans Saint-Joseph? Ben oui, peut-être que je vais chier, par contre, je fais transport. Transport, voilà, ouais. Hein? Voilà. On va attendre que ça vienne. Là, il faut attendre un petit peu que l'huile est très chaud. Ouais, hein? Ouais, ouais, hein? Pas chaud. Il est pas chaud. Hein? Faut attendre un petit peu. Hein? Ah, ça va un petit coup, Patrick. Non, Patrick, qu'est-ce que tu as fait? Au fond, il commence à revenir les saucisses. Hein? Oui, ça, c'est quoi ça? Aline, tu as l'air fait son réchauffer, ça. Hein? Ah, il n'y a pas pour tout à l'heure. Ça, c'est un petit peu de saucisse frite. Hein? Oui, voilà. Un petit peu de saucisse frite à côté aussi. Parce qu'on a un réchauffé aux saucisses pété. Et comme on avait trop, donc on a fait un petit peu à côté, frites comme ça. Ah ben bah, elle est bien. C'est bien? Oui. Et bon, on va être tomate à quelqu'un. Bon, on va être tomate à côté, vous? Hein, les bons, oui. Les bons, les bons là. Et là, on peut revenir à l'île comme ça. Hein? Ouais, hop. Non, là, ça fait baisser, tu vois. Le feu est bon. Jasmine l'arrivée là, regarde comment l'image. Oh, tiens, regarde comment l'image, Jasmine. Jasmine, comment elle est? Ça va, Isot? Ah, Isot, ça va. Non, mais inquiète pas, bonsoir, vous venez plan, moi. Bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va, merci. On en a longtemps, t'es pas là aux autres? Ben, une sorte. Oui, la réunion même. La réunion non, même. Mais inquiète pas, on n'a pas besoin. Parce que maintenant, gros plan sur où là? Ben, voilà. Justement, c'est un gros plan. Non, un plan large, très large. Là, mais il voit rien que jusqu'à votre genou là. Ah, il voit votre genou là. Vous l'avez vu? Eh, on mange ça? C'est quoi, madame Conte? Madame Cotto Conte? Des acras au thon. Des acras? Des acras au thon. Bah, bien sûr! Ah, ah, ouais. Ah bon? L'huile n'est pas encore bien ah, chaude là. C'est là, une bien. Technique avec la cuillère et tout. Hein? Ah, on voit ça, hein? Hein? On voit ça? Joli, hein? Joli, hein? Ouais, ouais. Goûter pour. C'est un gros plan. Ah, il goûte tout de suite alors. Alors? Ah, mmh. Bien. C'est bon. Mais même, on dirait de la morue quand même. Mmh. Un petit peu. Le goût pareil, hein, parce que. Vous avez mis quoi, dit-on? Du bon, c'est bon. Un petit peu fort. Mais là, il y en a un piment dedans. Oui, non, il y a déjà pour Marmaison, ici. Ah oui, il y a du piment, ouais. Mmh. Là, donc je pique pour pouvoir cuire le milieu. Ouais. Voilà. Hein? Malbac, elle fait bobo, puis moi, mettre un petit trou au milieu. Allez, pique au milieu. Hein? Oui, mais. Hein? Vous connaissez Malbac, elle fait bobo, piment, là, elle met un petit trou au milieu. Hein? Et pour le petit doigt, hein? Oui, pour le petit doigt, pas le gros doigt, pour le petit doigt. Le petit doigt, elle fait comme ça. Ah, mais tu pas. Non, pour faire le plus petit trou. Ah oui, effectivement, oui. Ouais, ouais. Donc, oui. La donne Charles, une brède coupée. Ben. Ben, pourquoi dans les brèdes coupées? Parce que tu avais fait brède? Non, mais moi, je ne fais pas rien. À quoi je ne fais pas rien? Ben, non, ben, regarde, nous disons comment il est. Il est normal aussi, on ne fait pas rien. Ben, oui, mais pourquoi on donne les brèdes coupées? Ben, parce que ça, c'est son travail. Ah, parce non, que c'est pas son travail. Parce qu'il aime faire ça. Parce qu'entre nous, si ce n'est pas Charline, ça fait ça ici. Qui c'est qui fait ça? Ben oui, mais pourquoi c'est tout le temps Charline Fébred? Mais vous ne connaissez pas moi Charline Fébred, c'est tout le temps où? C'est une bredeuse. Ah, il y a une bredeuse. Il paraît qu'elle est une bredeuse. J'adore les bredes. Tu adores la... bread. Comment ça? Une bredeuse. Hein? Ouais. Hein? Alors Toto, comment ça va? Comme d'habitude, à chaque fois comme il est là, je fais saucisse. Non, parce qu'on aime ça. Non, il aime ça. Hein? Mais vous préférez quoi? Ou le poulet ou bien le saucisse Spock? Ah, saucisse Spock. Saucisse Spock. Ah, la pauvre photo. Ah oui, il n'y a pas photo. Voilà.
Oui. Comment il est le saucisse? Comment il est? Il joli. Non mais. Quel char que pris? Non, au niveau. Cuisson. Non mais. Non, mais... Il y a Richard qui était à la lumière chaque fois là-bas. Je ne pouvais pas te répondre. En tout cas. C'est quel charcuterie? Mais ça n'a pas dit le nom charcuterie, c'est un grand duo parce que je ne peux pas dire chez ça. Il faudra couper certains passages de Toto. Hein. Ah bon? Je n'ai pas entendu. C'est pas grave. Bah, Mimla, ça doit te faire frites de saucisse alors, elle est bonne? Ah, même ça va au bar. Elle est bonne, allez au bar. Où? Vous connaissez le piano à deux mains? Mmh. Maintenant, il connaît les acras à quatre mains. Hein, regarde. Hein. Excellent. Excellent. Ouais. Et bon. Voilà, on va peut-être enlever, non? Voilà. On a les mains sur le côté quand ça arrive aux ordi. Bah, rien. Tiens, regarde. Hein? Mais regarde. Non, regarde. Non, regarde. Hein? C'est lui qui ça fait ça en fait bon. Ah vous bon? L'avez commencé, c'est lui qui achève. Ah bon? Ah non, mais... ah bon, oui, oui. Arrête un peu, mais pas ce pied cuit tout le temps. Hein, d'accord. Donc là, on fait frites les saucisses. Hein. Voilà, donc, ou la égrenaille un petit peu. Voilà, elle a fait pataillis. Et du coup, voilà. Quoi, Toto? Oui, mais ça, saucisse pétée. Ben oui, donc là, fait pataillis. Ben voilà. Voilà. Donc ça, c'est le premier hectare plein. Un petit peu fini pétée, non, là, non? Oui. Voilà. D'accord. Et ils ont fait mettre du riz au feu? Du riz fin cuit, dans le feu. Dans le feu, ouais. Après, des frites sans œufs. Et après, des ben, mélanges de ça. Mélange et comme on l'a dit, hein, Christelle a dit comme ça, c'est un peu comme un riz cantonné. Bâtard. Oui, il y a bâtard riz cantonné. Ouais. Avant, le mot bâtard, t'es un peu péjoratif, ça, on connaît. Bah oui, c'était un magasin, hein. Ah bah oui, vous sortez les chaussures. Avec 100 000 chaussures, puis il y avait bâtard. Ah oui. Mais là, bâtard avec un R à la fin, là. Hein? C'est pas la même affaire. Hein? C'est pas la même affaire. Hein? Voilà, allez, bon. Là, il flambe, Patrick, qui gaspille de bois, ça, mais là, pour rien dire, là. Ouais, mais sans ça mettre tout le poulet, ou là ben. Hein, ça fait frites, allez. Vite fait, hein. Allez, bon, alors, ok. Parce que là, actuellement, là, il fait tellement frais, on a fumé partout. Et il y a qu'à ça côté la fumée, hein. Il s'en fait un petit peu, bon. Ben, hein? Il s'en fait un petit peu, hein. Non, moi, c'est le fait, ça, nous, on a mangé 500 de fait. Ben oui, non, quand Patrick, il t'en fumé, là. Au moins, il voit pas qu'il t'en fumé, parce qu'il voit rien que fumée. Et là, la fumée confond avec la fumée du feu et la fumée qui sort dans notre bouche aussi parce qu'il fait froid là en hiver. Là, hein. Là en hiver, hein. Ouais, Gaïa, hein. En hiver, hein. Voilà. Ici, la Réunion, nous, on a aussi notre hiver. Un petit hiver. Mais c'est un malbar, c'est pas un caf, ça. Un demi-malbar. Et bon, alors, ok. Donc, on a 3,5 alors. Hein. Pour avoir 7, il faut 3,5. Hein. Bon, mais arrête de plaisanter, moi, tu vois. Ouais, ça fait gaille tomate. Mais Toto, pourquoi la mettre pilon là, allongé comme ça, tu es là? Il prend un pilon là. Pilon là? Ben moi, je viens polir là. Il vient polir où là alors? Il s'est pilé. C'est pour ça que Miguel autant de prépare son. Toto a dit comme ça, allez, ça fait au gaille tomate alors? Hein? Ouais, mais il gagne. Décomplicité! Décomplicité! Hein? Ah bon! Toto, à où tu trouves les tomates, tu pilles les tomates d'abord, hein? Ah, ok. Mélange pas tout ensemble, hein? Chacun son tour. Donc là, le tomate d'abord, hein? Avant et après. Et là, tu peux participer. Comme quand Patrick fait revenir son poulet, tu peux participer. Ouais. Et après, ça mélange. Hein? Christelle, donne où tu es réchauffé là? Là, on a les œufs aussi, alors? Oui, les œufs de mon jardin. Les jeux de jardin. Ouais. Quoi que l'on a des poules pondeuses ici aussi, hein. Ah, mais il faut connaître les œufs après. Ah, oui. Une fois, bien là, on connaît les œufs. On fait une émission ici, les œufs mimosa, bien là, on va connaître les œufs dans le fond là. Il n'y a pas bon pays, c'est pas gay bon pays, non, pas gay bon pays. Hein? Et pour ne pas mentir, la mélanger aussi avec d'autres œufs comme ça. Ben, voilà, hein? Les œufs industriels, les œufs de poules pondeuses industrielles. Ah ben, oui. Voilà. Et où ce système vient bien frites, elle est bon. Elle est bon, hein? Bon. Là, ça fait frites aux œufs. Ouais. Après, je crois qu'ils mélangent toutes. Oui.
Mais mettez un petit peu de piment dedans, non? Non, parce qu'il n'avait pas de mange-pas. Il n'avait pas de mange-pas piment, elle est bon. Alors, ben, nous voir Charline là-bas, attends, prépare piment là, Charline. Piment là, c'est pour qui ça? Ça, c'est pour un invité qu'il ne mange pas piment. Donc, ah, ça donc prépare là, on fait un petit rougail tomate, tomate sans piment. Sans piment. Vous le mettez un demi-piment dedans. Un demi-piment. Ouais, un demi-piment. Un demi-piment, c'est-à-dire un demi-piment, c'est la moitié d'un demi-piment. Un quart, alors, c'est bon. Et là, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, alors, hein, dans les œufs, hein. Voilà. Les œufs étaient gros. Hein? Les œufs étaient gros. Oui. Les œufs étaient gros. Mais pas trop gros les œufs. Hein? C'est des petits œufs. Ça fait oute frites ou rôti là? Mais d'abord, il a un petit peu de juste pour faire cuire. Hein? Ah ouais, ouais, c'est tout. Hein? Ben ouais. Alors, regarde ces tomates, c'est toujours des nuages comme ça. Là, au casserole, là, alors. Ouais. Ça, mon casserole, c'est qu'un petit cuillère normal, là. Un petit cuillère normal. Et là, tout le temps, t'as un gros cuillère. Hein, t'as un gros cuillère. Faut se monter un peu. Et là, il faut mettre le poulet dedans, là. Hein. Ça fait frite, hein, lui, là. Ouais. Que de l'huile pour l'instant. On va mettre de sel, poivre dedans, ou là, pas encore. Là, on va mettre un crème spécial pour faire rougir, lui. Pas de sel encore, pas de poivre, rien du tout, hein, pour l'instant. Hein. Voilà. En dernier, alors. C'est bon. J'ai mis voir le petit poulet frite. Dis-moi, va y arriver, papa. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un son mort à mi. Va-toi tout seul, lui, avec son mort à mi, t'es bon. Hein. Tu vas adopter notre système, hein. Oui, comme ça, il est meilleur. Il te casse le œuf directement dedans et là, autre point directement, comme ça, hein. La poulet est meilleure. De toute façon, pas besoin de mettre de sel poivre parce que on aura aussi tout à l'heure dans le réchauffé, hein. Oui, d'accord. Assez, hein. On a un peu fini, là. Les deux pas pareil? Non. Le rougail tomate a fini? Oui. Tu regardes ça, les verres ça? Charline, ça un rougail tomate, c'est bien un rougail et piment. C'est cotomili? Cotomili. Ah, cotomili dedans, comme ça, il y a un verre comme ça alors? Ben oui. Et bon, alors, bon, bon. Hein? Ah là, là, oui. Hein? Et ça c'est un branche à bouche ça? Mais ça c'est un coup. Ça ah, il sert, allez à 5 coups, allez à 5 coups. Alors donc là, la dame avait un petit peu de l'huile de saucisse. Vous avez un petit peu de oignons dedans. Voilà. Hein? Ça c'est pour faire le réchauffer ça, hein? Non, ça fait bread. Ah avant. Ça fait bread, oui, d'accord. Ah ben oui, quoi. Moi là, oui. Bread. Là c'est l'ail et le gingembre. De sel, tu peux mettre dedans? Si, on va mettre un petit peu de sel. Tu peux mettre un petit peu de sel dedans? Oui. Mais bon, là, il y a une jambe de sel, hein? Hey, qui s'est dit mettre le thym dans le bread? Écoute, pas moi, fais la sauce. Pas moi de ça? Ah, non, pas moi de ça, hein? Non. Ben. Voilà. Et tomate, tu mets un petit peu de temps en temps? Non, il met pas. Ah, moi, il met. Des fois, il met un tomate seulement. Il dépend le bread, hein? Ouais, ouais. Si c'est bread noir, bread morel, là, bah, tu peux lui mettre un petit peu de tomate dedans. Un tomate dedans. Ouais. Voilà. Oh là, regarde dedans. On a mis là un petit peu, pas un petit peu dedans. Oh là, un petit peu, pas un petit peu, comme ça, voilà. De toute façon, il t'a descendu, hein. Bah, voilà, exactement. Ouais. Et c'est le petit gongon là, hein. Mais pas ça, le petit gongon, hein, c'est ça, hein. C'est lui qui aura du mal à cuire. Voilà, hein. Voilà. Donc, c'est lui qu'il faut l'essayer un petit peu cuit, hein. Ouais. Alors, nous pas dit banana, mais on l'a rajouté un petit affaire dans le bread, non? Oui, mais tu raté deux, trois petits branches. C'est trois petits branches, bread petsaï, hein. Voilà. On l'a rajouté dedans avec. Oui. Un petit calabaza de voilà, profite tous les là, fais un petit coucou à toute la famille en France, ça va? Ouais, ben oui, ben bon anniversaire ma soeur, pour être un an de plus. 50 ans, il y a non? Oui! Okay, il est vrai! Il vieillit. Oui, oui. Et ben, Marie-André. Bon, Marie-André. Voilà. Gwendoline, ce copain Thomas, ma fille Patricia qui vient de partir avec ses deux garçons, ses copains. Voilà, parce que jeune banane là-bas. Parce que jeune banane là-bas. Ben. C'est pour ça que ma tante avait un cadeau par là, Ben. D'accord, alors, il est bon. Ben. M'a compris. Donc, là, Lisa descend, il y a, hein. Et voilà. Donc,
encore mettre un petit peu de piment dans le bradou. Si vous mettez piment, mais pas piment normal, mais mettez piment cabri. Mettez piment cabri dedans, hein. Oui. Les bons donnent un goût aussi, hein. Ah oui. Bon, ben après, comme pas tout le monde mange piment, donc voilà, exactement, ouais. Faut pas mettre piment partout, hein. Oui, oui. Les créoles mettent piment partout, hein. Si rien de demain, ils mettent, hein. Ah oui, hein. Ah oui, déjà, vous ne pouvez pas manger les tomates, alors. Ah oui, là, vous allez les défimenter, là, hein. Là, les bons, on a tout dit là. Donc, ça descend un petit peu. Oui, voilà. Je vous laisse aller cuire un petit peu. Après, il va être bon, hein. Oui, oui. Je sentais qu'il avance bien le rôti, là. Oui, enfin, le rôti, le poulet frites, hein. Oui, ça va. Ouais. Voilà, hein. Bon. T'as d'accord, on rajoute un petit peu la fête dedans, dis-moi, alors. Oui, madame. Sel, poivre, pour qu'on rajoute, hein. Hein. On a vu le petit poulet frites, hein. Parce que là-bas, depuis là-bas, ils sont bons. Ils sont bons depuis là-bas. Le dé, il est. Hein. Comment? Demain, ils ne sont pas le dire. Hein. En attendant que la télé en odorama y arrive, peut-être voilà, après, peut-être pendant quelques années. Hein. Voilà. Ouais, il faut encore quelques années. Ah, encore quelques années. Tu connais pas ce nouveau-là. Hein. Hein. Ça passe vite. Hein. Oui, la technologie avance vite comme elle a. Tellement vite. Ben, ouais. Jasmine Diaoui, ou comme ça, ou une braideuse. Ben, c'est parce qu'il y a une braide. Quand il y a une braide, ou une braideuse. Voilà. Hein? Sarah, vous connaissez que quand il y a une braide, il appelle ça une braideuse. Ah bon? Oui, ben c'est Jasmine a dit ça. Ah ben, mais ça arrive pas. Demande mal. Jasmine, on va. Jasmine! Oui. Hein? Jasmine, qu'est-ce que tu devais, s'il te plaît? Oui, pardon. Oui. Alors, quand ou Luna, quand il y a une braide, ou appelle ça comment? Non, quand, pas quand il y a une. Quand il y a une. Quand il y a appelle comment? Une braideuse. Une braideuse? Bah oui. Attends, Jean-Claude, quand un mouni brode, ou appelle une brodeuse. Hein? Bah du coup, elle gaffe et braide, bah c'est une braideuse. Et bien, qu'est-ce que le poulet? Ça a l'air intéressant, hein? Ah oui! Dis, ça y fait! Ça y fait! Ça, ma nièce, ça! Elle a confiance en elle, ça! Ah oui! Ça y fait à moi? Ben, mal, ça y fait, ça! Tout y aime bien, assez! Mal la honte, des fois! Bien sûr, bien sûr! La honte, vous y aime bien! Ben, ça m'a conduit à tous les mardis, après! Mais il manque à nous, hein? Ça fait un petit moment, il y a un petit moment, on chouchote! Ben, lui, ça, c'est mon cas! Vous allez sortir de son casse. Bien sûr, bien, bien. Hein? Alors, ben oui. Hein? En plus, j'ai coupé mon tablier. Ah, oui, moi, t'as un petit coup de tablier. Ouais. Vous connaissez ici la personne. Il ne marche pas avec un verre à l'alcool de la main. Ben oui. Elle n'a rien qu'elle marche avec son verre champagne. Elle dit après personne qui a enlevé avec son verre champagne de la main. C'est vrai? Hein? Que soit la fait un coup de tablier qu'elle a l'Austral Madonna. En fait. Jean-Claude, il faudra ou adapter au tablier aux femmes. Hein? Ben s'il est adapté aux femmes, il y a parce que m'a fait le tablier de femme, non. Oui. Alors j'ai coupé, regarde. J'ai coupé plus le tablier sur le côté. Parce que là, le tablier, il est plus court que son jupe. Vois ça. Non, attends, j'ai coupé ici sur le côté. Sur le côté, on l'a coupé, on l'a refait. Ça a fait une petite échancrure. Oui, oui, oui. D'accord. J'ai brodé mon nom, bien sûr. Jasmine Azur. Voilà. Parce que le nom de famille, c'est Azur maintenant. Voilà. Ouais, ouais. Azur, c'est ma capacité. Ben voilà. Et tu vois, regarde. Tu vois, ça fait très bien. On croit que ça, c'est encore établi ou là. Ben, c'est. Ah, bon, sinon, pas ça. Ah, ça a établi encore ça. Sinon, pas ça. Agathe tablier là, t'es... Là, il customise mon tablier, alors, comme elle a, comme elle a. Alors, en tablier, voici. Maintenant qu'on a un tablier, on retourne mamie. Ah, bah oui. Charline, qu'on a un tablier, on retourne mamie. Bah oui, c'est normal, hein. Il est stylé. Il est stylé. Stylé, voilà, il est stylé. Ouais, ouais, hein. Coupe cheveux, les gars, il est fait. Mais toi, une mamite là. Hein? Ça te laisse pour les autres, hein? C'est dur, hein? Elle est bonne fille, la cuillère ou bien le ciseau? Ah, le ciseau, totalement. Ciseau, totalement. Ciseau, pinceau, le maquillage, tout. Ouais. Ça allait trop grand, ça, pour un dépagé, ça. Manger ou pas? Et voilà, les vannes définies. Voilà. Charline. Et là, on a fait le petit riz chauffé. Le riz chauffé, hein? Voilà. Le tomate est déjà fait. Tant pis pour moi. Pour le pas de regarder. Tant pis pour moi. Tant pis pour toi. Ouais. T'es pas mieux regarder quand on a fait les braises. Ben... Oui, je l'ai appelé. Mais quand tu vas arriver à Madagascar, c'est comment tu vas faire après vrai. Maintenant tu sais pas faire les braises à la façon créole. Bon, c'est sa faute. C'est Manine. C'est Manine. C'est Manine. C'est ma faute. C'est pas la grave. Prochaine fois. Prochaine fois. D'accord. C'est ton... Pourquoi tu m'as fait...
prends le cuillère là-bas, là, Sarah. Daddy, je peux t'aider à faire durer les œufs. Quoi? Daddy, je vais faire durer les œufs. On fait quoi? Durer les œufs. Durer les œufs? Daddy, je peux faire durer les œufs. Hein? Attends. Tati. Ah, vous avez les bras forts là? Ah oui. Mets tes chaussures. Les bras forts, c'est Saint-Pierre pour nous faire des rues des œufs ici. Ah ben oui, un premier fois. Nous retirons le tablier. Et mets-tu les chaussures. Les Sarah. Ah non, c'est la Je vous estime pas l'île à force ici. Des œufs avec quoi? Des œufs avec saucisse pétée. C'est quoi le nom du riz là? Je sais pas. Du riz cuit. Peut vite tout d'un coup, non? Hein? Peut vite tout d'un coup, non? Non, mais c'est la vie de l'eau. C'est comme le riz cantonné alors. Ça c'est le riz contourné. Oh là là, bataille pour un petit avté. Ah oui, Christelle, oui. À manger. Là, c'est moi. Non, ça va. Oui. Voilà, donc. Attends. Attends, c'est ça, pour Christelle. C'est pas comme ça. Les bons. Christelle, lui a gagné la main, non? Lui a gagné coup de main. Enfin, pas coup de main, si va gérer là-bas. Si va gérer à où demain, où c'est allé où? Non, m'a filmé. Vous l'a filmé? Ah bon, d'accord. Allez, mais bien fait, sans jambes. Ou à faire semblant. Oui, juste pour montrer. Jasmine, là. Ah, on a regardé. Vous la regardez seulement. D'accord. Et donc là, elle mélange le riz, les œufs, et ben les œufs dedans, et puis après le saucisse, un petit peu de fettine, un petit peu de siave, et là les oignons verts. Juste un petit couleur vert. Un petit couleur vert. Hein. C'est tout, là, pas besoin plus que ça. Non, pas mettre d'oignons dedans, non? Non, non. Elle ne fait pas mettre d'oignons. Pas mettre d'oignons, hein? Oh, ouais. Parce que des fois, moi, ils me mettent un petit peu, moi. Si, mais pas tout de suite. Après, elle paye, ils pas d'oignons. Ça aussi, j'aime pas trop. Mais ça l'obligeait. Ouais. Un petit peu. Non, mais mettez pas petit... nous. Mais il faut mettre un petit peu, non? Il faut un petit peu. Voilà. Ah, ça met. Elle m'a pris rapide. Ah, elle aime pas la faire verre. Ah, depuis, on me démette tout. Depuis dans le petit, Christelle, elle aime pas la faire verre dans le manger. Mmh. C'est bon. Ah, aussi, elle aime pas la faire verre dans le dedans. Non, bon, allez, tourne. Pendant... Chacun va rajouter après. Hein? Voilà, exactement. Bah, ah non, tu as une pierre, quoi. Ouais, si, il est bon, il est bon, là. Il coûte un peu au fond, il y a. Là, après le bon état. Là, quand vous regardez le tomate, avec un petit morceau de bain à côté, un petit peu bras de là. Voilà. Et maintenant, un petit peu de riz blanc, quand même. Les bons, au cas où on a un peu de riz blanc. Les bons, là. Bon, ok, là. Merci bien. Tu manges à toi? Oui. Hein? Réchauffé? Ça, je vous ai fait bailler, ça? Bah oui, mais pas souvent. Pas souvent? Oh, dommage. Faut manger un peu plus souvent. D'accord? Regardez. C'est bon, ce rôti-là, il est bon? Ah oui. Là, rajoute un petit peu de l'eau dedans, un peu de galis. Donc, il est bon, Yastère? Ah oui. Dans un petit instant, les bons, nous mangeons dans un petit instant. Dans un instant, les bons. Laisse un sec avant. Oui. Laisse un sec avant. Mais les bons, alors. Ok. C'est toi qui te prends, tu peux me voir. Attends, tu veux juste quoi?
Écoute, à travers brouillard, parfois je vois et joli sonner. On est là-bas, dig-dig le ciel, paye dans le soleil, l'endroit parfait pour nous déhaire. Et la fesse centrée, donc on est la main, dit, je sais plus. Hein. Au palais si j'ai, on est là-bas, dig-dig le ciel, paye dans le soleil. L'endroit parfait pour nous, t'es elle. Là, c'est senti, combien matin, il ne connaît pas mes chemins. Ça va dormir, vous l'y trouvez, l'endroit parfait pour nous, t'es elle. Un pas de sentier, combien matin, il ne connaît pas quel chemin. Il connaît pas comment on fait. Il faut défler le mer. Il faut lisser le bonheur. Mais bon là. Un poulet frit, un coq frit, hein? Un coq frit. Un coq frit. Tu fais l'eau là? La fin de la l'eau là? Oui, ben. Là, là, j'aspine à Niwao là. Hein? Salut Patrick! Ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, comment ça l'a fait cuit hier soir? Hier soir? À soir! Ah bon? Oh là là, tu n'entends plus? Pour les frites, pour aller avec le petit riz chauffé. C'est bon là? C'est bon, t'es à la Jean-Claude, hein? Ça fait un peu genre. Feu de camp, hiver, tu ouais, vois, quand ça j'ai mis une robe pile, tu vois. Mais voilà. Vous faites un petit peu aussi ou non? Pas trop, pas plus que vous. Non, il n'y a qu'en hiver. Pas plus que vous. Non, en hiver seulement. Juste en hiver. À vous faire en été, en hiver. Oui, à moi, la chaleur, le froid, il n'y en met pas. Moi, je fais tout le temps, moi. Ouais. Mais il faut faire un peu, fait quoi de moi. Les bons. Bon, ben. Ça mange un instant, là. Les bons. Bon, c'est bon là. Écoutez, vous achetez des gros. Bien gros, ma faim. T'as faim. Je ne sais pas manger ce midi. Ben, calories, chauffé, comment il est. Voilà. En tout cas, merci bien pour les acras. Hein? C'était un apéritif extraordinaire. Nous devons les plaindre maintenant. Nous ne connaissons pas comment nous va manger ça. Hein? On va trouver une petite place. On va trouver une petite place. Et bon, merci. Okay, merci bien. Hein? Merci Toto. Hein? Merci Patrick. Merci Christian. Hein? Tellement maman le raca, hein? La rempli. Là, tu trouves une petite place. Ouais. Pour une fois, mettre saucisse poulet pour. Hein? Oui, merci. D'accord, là, on est bon, ok. Charline, merci, nous retrouve. La prochaine fois, bon. la semaine prochaine. Et toujours sur Canal Austral, bien entendu. Toujours. Hein, comme d'habitude. Même l'air. Allez, à bientôt. Allez. Bye bye. Bon appétit. Merci.